Si. Tu vois? Je te vois là, toi tu es là. Je te vois. Je te vois. Je te vois toi. Je te vois. Je te vois aussi, hein. Moi je te vois. C'est toi qui es là. Je vous vois tous. Je vous vois tous. Hein? Oui. Oui, qu'est-ce que tu dis? J'ai dit, est-ce que moi et elle, est-ce qu'on, si on a fait une vidéo. Bien sûr. Il faut voir à côté de l'air. Viens ici, viens ici. Non, ne sois pas triste. Attends, wakale. Monnaie. Français. Ok, comment tu t'appelles? Comment vous appelez? Moi, je m'appelle Aïcha. Aïcha? Oui. Ah, ok. Et toi? Je m'appelle Djaminatou. Aminatou? Djaminatou. Djaminatou. Oui. Oh, ça c'est joli ça. Vous habitez ici à côté? À côté. Je m'appelle Djamila. Djamina? Oh, ça c'est bien. C'est presque la même chose? Ok. Aïcha tout? Ah, ok. Salam alaikum. Okay, I'm heading off to the event right now. This is the event is taking place right in the dark corner over there. Okay. There you go. This is the street. This is the street that are the, you see the building behind me? That's where the event's going to take place. So I'm gonna stand in the front right now and trying to tell you guys what's gonna go on. Or if I find anybody who can explain it to me, that would be even better. So, and as you guys might know, the Senegalese culture and Islamic culture, they intersect. So that's why this organization is a Muslim organization called Al-Fallah. They organize circumcision event 4 times a year. But they told me since the COVID came, they only do it once a year or twice a year in a small confined place. That's why today they invited me to come around and record whatever's going on here. So anyway, I'm gonna follow them and I'm gonna go around trying to record all these things going on, and I will record whatever they allowed me to record. Okay guys, please, if you like this video, please watch it, enjoy this video. If you like it, give me a thumbs up and do not forget to subscribe. Thank you very much. Have a good one. I'll see you soon. Okay, bye. I was invited here today to document this old boys circumcisions event. And I came 2 hours earlier to have a sit down with the local imam so that we might get to know one another. It happened that the imam has his own video production. They videotape their activities to promote their work not only in Dakar, but also all over Senegal. Knowing that in advance made my work very, very easy. Imams here in Senegal, or sheikhs as they are often called, play a big role in people's life. They are highly regarded and very well respected in the society. Aujourd'hui, c'est une journée de circoncision gratuite organisée par le mouvement Al-Fallah, plus particulièrement la commission sociale. C'est une activité qui fait partie des activités phares du mouvement Al-Fallah. On a circoncis à ce jour plus de 70 enfants. Donc, c'est une énième édition du mouvement Al-Fallah de la commission sociale. On a commencé par les régions, par Dakar, Rufus, on a fait les régions de Thiès, de Matam, de Tamba, de Kaolack, de Kaffrine, de Fatick. Pas mal de régions qu'on a fait. Certes, on peut faire plus si certaines
à cause du Covid-19 qui nous a un peu, ralenti les activités. Donc nous remercions beaucoup les gens qui nous ont soutenus de près et de loin, ceux qui nous ont contribué par leur poche et ceux qui nous ont contribué par leurs compétences, à savoir les docteurs, les infirmiers, à savoir le comité d'organisation du mouvement Al-Falah, à savoir plus précisément le responsable de la commission sociale qui n'a ménagé aucun effort pour collecter assez d'argent. Parce que vous savez que un enfant circoncis coûte à moins 10 000 francs CFA. Certes, ce n'est pas beaucoup, mais c'est beaucoup pour des parents démunis qui n'ont même pas à joindre les bouts, les deux bouts. Donc nous remercions les bailleurs et tout le monde. Et je crois que ça va continuer dans ce sens-là pour pouvoir vraiment alléger les charges des parents, des familles qui ont qui sont très démunis. Et ça fait partie des obligations de l'islam de pouvoir circoncire les enfants. Donc c'est M. Amanda Okambe qui est l'adjoint au trésorier qui vient de vous faire un petit briefing de la journée de circoncision gratuite qui a été organisée samedi 11 septembre au parcelle des Assemblées, plus particulièrement à l'unité 17. Je vous remercie. Merci beaucoup. Hein. Merci. Ok, vous pouvez me dire qu'est-ce que c'est? Ça, c'est coutumier. Mm-hmm. Chez nous, quand quelqu'un est circoncis, okay, on lui met une tunique comme ça. Mm-hmm. Donc, c'est ça qu'il va porter jusqu'à la guérison, okay, qui probablement sera d'une semaine à 10 jours maximum. Mm-hmm. Donc, on laisse les habits traditionnels, on porte ça, mm-hmm, pendant une semaine, deux semaines. Et après la sortie, mm-hmm, si c'est un milieu traditionnel, c'est toute une fête qui est organisée, mm-hmm, à l'honneur du nouveau circoncis, mm-hmm, qui du coup entre dans la cour des grands. Si c'est ailleurs plus pointu dans la tradition, il y aura des séances d'initiation. Donc voilà. Donc c'est une expérience. L'acte chirurgical, mm-hmm, l'enfant bénéficiera de cette pommade-là qu'on va utiliser sur la plaie opératoire matin et soir. Et au bout de 3-4 jours, le processus de cicatrisation sera très avancé. Mm-hmm. Donc, s'il n'y a pas d'autres effets, donc l'enfant va guérir au bout de 5 jours, une semaine, Inch'Allah. Voilà. The head surgeon will be moving from one room to another to explain to each group what should be done after the surgery. Ce qui se passe ici. Voilà, ce qui se passe dedans, après avoir circoncis les gens, mm-hmm, ils sont tous rassemblés, ils attendent les consignes. Mm-hmm. Donc ce qu'ils devront se faire dans les jours à venir. On les expliquait tout à l'heure, mm-hmm, comment prendre, comment utiliser le bonnet au sein, la pommade de bonnet au sein. Et surveiller les enfants, il ne faut pas qu'ils se blessent lors de leur sommeil. Okay. Donc il ne faut pas aussi qu'ils se grattent, parce que dès que la cicatrisation est enclenchée, ça va gratter un peu. Si l'enfant commence à se gratter, ça va retarder la cicatrisation. Donc si tout se passe bien et qu'ils surveillent bien les enfants, uh-huh, ça se passera en 3 à 4 jours, la guérison viendra, Inch'Allah. Okay. Merci beaucoup. And the same explanation will take place in each room. Bi qawmikum ma bi tashrabu yawm tad'alu yawm tad'u kubata wa
Back in the surgery room, some past patients are coming back for consultation to follow up on their progress. Bonjour, monsieur. Bonjour, ça va. Ok, vous êtes un médecin ici, hein? Oui, je suis médecin. Okay. Est-ce que vous pouvez me dire qu'est-ce que vous faites? Bon, vous faites une circoncision pour les enfants. Mm-hmm. Donc, les enfants de moins de plus de 5 ans à peu près. Ah bon? On les circoncise. Ok. Et cette circoncision peut prévenir certaines maladies. Mm. Donc, il y a beaucoup de bénéfices dans la circoncision. Quoi. Ah, ok. Merci beaucoup. Hein. Merci. Il y a combien d'enfants aujourd'hui? À peu près 100. À peu près 100. Oui. Oh, ok. Merci. Hein. And I looked into those benefits. According to CDC, circumcision can prevent phimosis. That is when foreskin covering the penis is too tight and is too hard to retract. And also it can prevent some several sexual transmitted diseases. Parents must be consulted before any procedure. Now the closing ceremony is taking place. And in African Muslim tradition, every important meeting or sitting has to open and close with giving all thanks to Allah, because without Him, nothing is possible. Okay, I'm going Je pense que vous avez circoncisé votre. Ok. Et qu'est-ce que vous pensez maintenant? Qu'est-ce que vous pensez? Quel est votre sentiment pour voilà, un sentiment heureux. Mm. Voilà, en fait, c'est le fils de mon grand frère. Ah bon? Il m'a envoyé ce matin pour que je vienne ici. Pour, okay. Voilà, pour qu'il fasse. Mm. Mais je suis franchement heureux. Voilà, parce okay. que chaque parent rêve de voir son enfant. Vivre cette épreuve en fait. Okay. Donc c'est voilà, je suis content en fait, je ne peux pas dire. Ok. Mais, comment il s'appelle là? Il s'appelle Mohamed Moustapha. Mohamed Moustapha. Oui. Ok. Ça va Mohamed Moustapha? Ça va très bien? Vous êtes garçon maintenant, hein? C'est super. Yeah, ok. Ok, merci. Ok, bah, bonne chance. Okay, merci. Au revoir, merci. Au revoir. Est-ce que vous pouvez me dire comment vous sentez maintenant après la circoncision de votre enfant? Alhamdulillah, je rends grâce à Dieu. Okay. Et franchement parler, c'est un soulagement. Okay. Parce que tout simplement qu'il y avait une chose en nous. C'est-à-dire que comment faire pour au moins payer les frais pour la circoncision de mes enfants. Si quelqu'un est venu nous prendre ça en charge, vraiment, okay. nous pouvons que rendre grâce à Allah et on prie pour cet individu-là. Okay. Si okay. c'est grâce à Al-Falah aussi, on prie pour que cette association puisse aller de l'avant. Merci, merci beaucoup. Ok, merci beaucoup. Okay.
Okay, guys, we just finished the event. It was really, really interesting to look, see this one. Very beautiful, very traditional. And actually, this happened in most of the African countries, whether it's in a Muslim way, like in the Senegalese style, or in African traditional way. So this is African culture. Circumcision happens everywhere in Africa. Okay, until next time, have a good one. Bye. Like and share this video, and don't forget to subscribe because many more videos on the way. Thank you.